Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, je me présente pour vous les amis qui débarquaient sur la chaîne, pour les nouvelles personnes qui ouvrent CC Info 91 pour la première fois. Je suis Alain Leclerc, donc Leclerc c'est Leclair. Je suis un passionné d'informatique depuis 1982, et oui, c'est pas d'hier, hein, ça remonte à longtemps, même d'ailleurs, 1982, où j'ai commencé à bosser, si on peut dire, sur un tout petit ordinateur, un TO-770 de la marque Thomson, parce qu'à l'époque, je voyais clair, j'avais à peu près 4 dixièmes, donc j'ai commencé à débuter là-dessus. Après, j'ai suivi sur un Amstrad 464, toujours en tant que demi-voyant, on va dire des choses comme ça. Il n'y avait pas de synthèse vocale à l'époque, hein, du tout. Et j'ai continué sur un Amstrad 6128 où la vue a commencé à baisser. Et donc je suis passé sur un PC, les premiers PC que je pense qu'il y avait à l'époque, ou bon, qui arrivaient sur le marché. Donc des 286. Je peux vous dire que maintenant je ne pourrais rien faire avec, tellement que il n'y avait pas beaucoup de mémoire RAM dessus. Il y avait un go, mon premier PC était avec un go de mémoire RAM. Maintenant, je suis rendu à 16 go en permanence. C'est pour dire que j'ai bien évolué quand même. Je commence avec MS-DOS, le 3, je sais plus combien, ou enfin dans ces eaux-là, j'ai commencé avec le MS-DOS. J'ai fait le 5, j'ai fait le 6.22 après. Et puis là, la vie a fait que j'ai changé d'ordinateur. J'ai pu prendre une carte Electrel avec la synthèse vocale Synthé3 à l'époque, qui était une voix de robot complètement. Il fallait quand même la supporter, mais bon. J'en avais besoin, j'avais pris à l'époque aussi le haut-parleur d'élan informatique, voilà avec, je sais plus comment il s'appelle. Et puis j'ai évolué après avec les Windows, donc Windows 3.0, 3.1, puis bon, j'en passe, ça a été meilleur. J'ai pratiquement eu toute la gamme des Windows jusqu'à ce jour, en passant vraiment et les évitant à Windows Vista, parce que je l'ai essayé pendant un mois, et puis c'était tellement la galère que j'ai jeté ça complètement, hein. Je vais passer vraiment au Windows après, qui a suivi, hein. Et j'en ai fait d'autres comme ça, le Millennium, je l'ai pas vu, enfin, je voulais pas le prendre, le Millennium, et puis j'ai fait Windows 7, XP, Windows 10, je viens de tester Windows 11 aussi, mais bon, par rapport à nos anciens programmes, ça me posait des problèmes, puis ça m'a planté la machine, donc je n'ai pas hésité, je suis repassé à Windows 10 directement, je suis en Windows 10 Pro, avec donc maintenant la synthèse JAWS de Freedom Scientific, donc après vous avez plusieurs modèles, références de synthèse, je suis en 2019, puis bon, j'ai aussi des démos de 21, 23, ça dépend ce que je fais comme travail, d'une synthèse à l'autre, d'une revue d'écran à l'autre, même de Freedom Scientific, on paye sur certains sites et d'autres non. Il y a des problèmes par-ci, par-là. Et puis bon, je fais d'autres choses, hein. J'aime l'informatique, mais j'aime aussi l'électronique. J'aime aussi la téléphonie. Bon, je suis très Apple, comme vous pourrez voir sur la chaîne. J'hésite pas à faire des vidéos sur Apple quand je peux, hein, quand j'ai de la matière pour ça. Et vraiment, j'ai fait d'autres choses, hein, mais que j'ai dû abandonner à fur et à mesure pour X raisons. Et par exemple, Android. J'en ai eu un entre les mains, le Pixel 4.3, mais franchement, Android n'est pas ma tasse de thé du tout. Je suis trop iPhone, trop Apple, et je suis donc revenu vraiment sur Apple complètement à 100% qui sont iPhone, et je continuerai ma route avec l'iPhone. Voilà, donc j'ai un iPad, j'ai des ordinateurs, j'en ai deux en permanence, hein, j'ai un PC de bureau, donc voilà, j'ai un i9 pour tout vous dire, un Intel 9, vraiment. J'ai aussi, mais bon, maintenant j'ai racheté récemment un PC portable parce que je n'en voulais plus, mais j'ai racheté un PC portable Lenovo Pro qui est anciennement de la marque IBM qui est très costaud, solide. J'en suis vraiment très content qu'il est accessible de partout dessus. Et puis, bon, j'ai aussi un Mac, j'ai le MacBook Air M1 que je me sers aussi, mais bon, là de ce côté-là, je suis pas assez au top dessus et je trouve, malgré qu'on me dise que si, mais moi je trouve qu'on peut pas tout faire dessus. Enfin, nous, les particuliers, je parle pas des professionnels qui font la reprographie, tout ce qu'on veut dessus, mais nous, on n'a pas assez de choses à faire dessus, d'applications. Et j'étais un peu bloqué dessus pour certaines tâches, et surtout pour faire des vidéos. Donc j'ai décidé d'acheter un PC portable. Je l'ai acheté l'occasion, mais j'ai un an de garantie, donc je suis vraiment très content. Puis bon, je fais d'autres choses. Avec moi, pour m'aider, il y a mon ami Pascal Cusson, qui vous fait des vidéos. Qui habite le Canada, à Québec. Moi, j'habite sur l'île de France, mais lui, il habite là-bas
au Canada, bon, à Repentigny ou à Québec, ça dépend des moments, mais il habite là-bas. Il y a son amie personnelle Isabelle aussi, qui de temps en temps nous fait des vidéos, et j'espère qu'il va vraiment en faire d'autres pour vous tous. Ensemble, on essaye de vous aider, hein, surtout les débutants, parce qu'on est là pour les débutants. C'est ma tasse de thé, je sais que Pascal, c'est exactement la même chose. On est vraiment là pour vous aider tous, là où on le peut, parce qu'on n'est pas des pros, donc on fait ce qu'on peut, hein, mais on le fait avec cœur, comme à chaque fois on fait ça avec cœur, c'est comme les vidéos d'ailleurs. On est là aussi pour essayer de vous porter un peu de culture, d'où certaines vidéos qui passent sur la chaîne, hein, pour vous faire connaître des choses. Moi, le premier, des fois, je dis, ah, Pascal m'apporte ça, je sais pas trop, je me rappelais plus. Ben, c'est une bonne piqûre de rappel, c'est très bien. Et puis, ça nous détend. Il y a des vidéos pour la détente aussi, il y a un peu de tout. Ça dépend de notre humeur, de notre bonne humeur. Ça dépend de ce qu'on peut faire, parce qu'on n'a pas toujours les bonnes idées non plus à vous soumettre, à vous donner. Et nous espérons que tout ceci vous plaise, vous apporte quelque chose et vous aide surtout, parce que le but de ces Info 91, c'est de vous aider. On n'est pas là pour vous faire vendre du matériel, attention, je le rappelle, parce qu'il y a eu des petits soucis à un moment donné, je ne suis pas là pour ça. Personne de l'équipe n'est là pour vendre du matériel, ce n'est pas notre but. Notre but, c'est vous informer. Nous espérons le mieux possible, nous espérons qu'on ne se trompe pas. Mais on vous informe. Et dès que vous avez l'information, et ben vous voyez après de votre côté, soit sur d'autres chaînes YouTube, parce qu'il n'y a pas de concurrence entre les chaînes, on est tous là solidaires, surtout dans le monde des non-voyants, on est là vraiment pour s'entraider de partout. Vous pouvez vous renseigner sur d'autres chaînes, écouter d'autres vidéos ailleurs. Ben après, à vous d'aller voir chez nos commerçants agréés, hein, les distributeurs agréés de non-voyants, ou ailleurs dans le commerce, pour avoir d'autres renseignements avant d'acheter. Après, c'est vous qui voyez, on n'en sera pas tenu responsable du tout, je tiens à le souligner. On n'est pas là pour faire vendre le matériel ou l'obliger à acheter du matériel. Non, pas du tout. On vous parle simplement de notre passion, de ce qu'on peut faire, ce que vous pouvez faire avec. Parce que moi, bien souvent, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je ne connaissais pas du tout. Et j'ai appris comme ça en allant sur YouTube, sur d'autres endroits. Ce qui fait que je pense que tout ceci peut vous aider aussi. Mais ce n'est qu'une aide d'information. Et à vous de voir le problème après de votre côté si vous êtes intéressé. J'insiste bien là-dessus, les amis. C'est important pour nous tous. Pour que la chaîne reste ouverte le plus longtemps possible. Chaîne que j'ai ouverte le 28 juin 2018, le jour de mon anniversaire, bah tout simplement pour me faire mon propre cadeau, déjà pour commencer, mais aussi pour marquer le coup de la chaîne et me rappeler que c'était vraiment le 28 juin 2018. Donc la chaîne depuis à marche, hein, il n'y a pas des milliers d'abonnés, hein, là on est un peu plus de 260 maintenant, actuellement, à l'ouverture de la là aujourd'hui à 260. Donc bah, bien sûr cette vidéo elle est faite au début mars, donc vous pouvez voir que ça va s'agrandir au fil du temps, nous l'espérons, avec Pascal et Isabelle, mais c'est grâce à vous, hein. Et le fait de vous abonner, et je vous demande de le faire, c'est tout simplement que face à YouTube ça leur montre que la chaîne existe, qu'elle fonctionne, même s'il n'y a pas des centaines d'amis dessus, mais au moins elle fonctionne. Il y a des vidéos qui sont déposées à ce jour. Vous avez pu voir, il y a quand même 510 vidéos qui sont déposées sur la chaîne, avec celle-là. Et on va continuer à mettre des vidéos en raison de deux par semaine. J'insiste bien parce qu'il y a des amis qui me demandent pourquoi tu n'en mets pas tous les jours. Non, c'est trop de travail. Et le but, c'est pas de vous assommer de vidéos, mais d'en mettre deux par semaine. Donc, pour que ça soit pratique pour vous, vous pouvez peut-être chercher, d'aller voir sur la chaîne. On les met le lundi et jeudi. Ce sont les jours que j'ai décidé parce que ça mangeait à l'origine et que j'ai gardé en rappel pour vous tous, comme ça c'est sympa à vous rappeler, le lundi et le jeudi. Et puis voilà, la chaîne tourne comme ça depuis et grâce à qui? À vous tous. Et je rappelle pour ceux qui le savent pas encore, un autre but, ben, c'est avoir des amis qui se fassent aider, qui ne laissent pas les appareils dans des tiroirs. Il se dit là, moi j'arrive pas, on m'aide pas, rien du tout, ça va être non, pas du tout, faut vous en servir. On est là pour essayer de vous aider en vous informant. C'est notre but principal. Hein. Donc, si vous avez besoin de renseignements par rapport à la chaîne de CISINFO 91, on a quand même notre blog dans mes signatures, parce que je sais que vous êtes tous pratiquement. Donc, j'ai mis la signature, c'est marqué dedans, c'est vous pouvez m'écrire en permanence pour n'importe quoi. Je vous donne mon adresse email. C'est leclercalain91@gmail.com. Alors, je vous appelle leclercalain91, donc Leclairain91.
arrobas@gmail.com, vous connaissez, il n'y a pas de souci. Donc, sachez que je vous répondrai toujours, peut-être pas en quart de tour, mais je vous aurai une réponse à votre vraiment question ou à votre problème, ou si vous avez besoin qu'on vous réponde pour une seule chose. Je suis là pour ça. Et si je ne peux pas aider, je demanderai à Pascal ou à d'autres personnes de m'aider ou de vous aider directement. Hein, on est là pour aider là où on le peut. Hein. J'insiste bien, là où on le peut. Et après, c'est à vous de voir ce que vous pouvez faire ou de vous informer. Ce que nous donnons en exemple en informatique, ce n'est que d'information. Et surtout, la plupart du temps, quand on est réservé aux personnes qui débutent pas. Parce que c'est vrai qu'il y a des fois, c'est un peu difficile à comprendre. Hein, donc, ça serait bien que vous demandiez à d'autres personnes de vous aider dans ce cas-là, si vous avez la solution. Voilà, j'espère que cette vidéo vous fera vraiment connaître la chaîne, que vous allez vous abonner, parce que notre but, c'est quand même, c'est de voir qu'il y a des amis qui s'abonnent. Ça nous rapporte rien, on ne demande rien non plus, parce que voilà, nous on fait ça avec cœur, gracieusement. Mais notre but, c'est de voir qu'il y a des amis qui s'abonnent et que la chaîne fonctionne grâce à vous tous. Donc, merci de vous abonner, merci de nous suivre. Je rappelle aussi, parce que je ne l'ai pas encore dit, que la musique qui est sur la chaîne en générique de départ et de fin, quand j'arrive à la mettre en fin, parce que des fois les vidéos sont trop longues, c'est notre ami musicien, vraiment musicien, qui s'appelle donc José Licenciato, qui nous a offert la musique pour la chaîne. Hein, il écrit, il interprète, il fait sa musique. Donc franchement, c'est quelqu'un qui est fabuleux. Lui aussi, il a le cœur ouvert. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez m'écrire pour que le remercier pour la musique, hein, je lui transmettrai votre message. Il n'y a pas photo pour ça. Et pour ceux qui voient un peu clair, qui peuvent voir l'écran, nous passons des vidéos, mais à la base, ce sont des MP3 que je vous mets sur YouTube, parce que moi, je ne peux pas filmer avec une caméra, c'est impossible, hein, je vois pas clair. Donc, je peux pas filmer les objets. Bon, il y a des choses que je peux rien faire de ce côté-là. Donc, ce sont pas des vraies vidéos, ce sont des photos qui passent sur la bande son. Hein, et des photos que vous avez. Donc, le logo de la chaîne. Le logo de la chaîne, c'est créé par une amie suisse qui voit clair, qui veut rester anonyme, et que je salue au passage, si vraiment elle écoutait cette vidéo à un moment donné. Et puis après, ce sont des photos de mon ordinateur, d'un de mes ordinateurs. Vous avez la Google Home, pardon. Et puis vous avez, je crois, un micro, je sais plus quoi, mais bon, ce sont là pour représenter la chaîne, pour que YouTube accepte qu'on dépose ces MP3 dessus et il tolère les photos. Donc, ce sont des photos que j'assemble avec le son grâce à un logiciel qui s'appelle Video Movie Maker, hein, qui est vieux maintenant, mais que j'assemble les deux. Il y a du boulot à faire, il y a des coupures, il y a des rajouts, il y a tout ce que vous voulez, mais j'arrive à les faire et je mets les vidéos en place pour vous avec immense plaisir et avec passion surtout. Voilà, merci de m'avoir écouté. Hein, je suis bon, bah voilà, à la loterie, je vous rappelle, je suis né donc le 28 juin 1954. Je suis plus très jeune quand même, mais toujours en forme, présent pour vous aider, essayer de faire que tout aille bien pour nous tous, pour vous tous aussi, et que vous soyez heureux dans la vie avec votre matériel et que vous puissiez vous en sortir. C'est notre but et mon but personnellement, c'est de voir que justement vous arrivez à faire quelque chose que vous ne savez pas faire, que vous n'arrivez pas à faire, sans vous faire aider des voyants. Ça, c'est fabuleux quand c'est possible. Merci, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir en écoute sur mes vidéos, sur les vidéos de Pascal, sur les vidéos d'Isabelle. Et n'oubliez pas, à tout moment, vous pouvez m'écrire. Donc, je rappelle l'adresse, leclercalain91@gmail.com, tout en minuscule. Là, j'ai bien tout en minuscule. Et n'oubliez pas, je suis là pour vous. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. À bientôt, je l'espère, d'une façon ou d'une autre. Je serai ravi de vous entendre, même par téléphone, si vous en avez envie, il suffit de m'écrire. Vous pouvez aussi participer à toutes les vidéos si vous avez envie, dans le sens que vous pouvez m'envoyer soit des MP3, enfin des fichiers MP3 que vous allez enregistrer vous-même. Je précise, sur votre matériel, par exemple, vous dire, tiens, moi j'ai une plage braille, c'est telle plage braille. J'en suis content, voilà ce qu'a fait ceci, ça, ce qui aidera les autres à savoir qui peut s'en servir. C'est important parce qu'on ne connaît pas tout le matériel non plus. Ça peut être une plage braille, ça peut être une synthèse vocale, une revue d'écran qu'on ne connaît pas. Ça peut être n'importe quoi dans n'importe quel domaine de matériel. Si ça peut aider le monde des non-voyants, tout ce qui peut aider les non-voyants, n'hésitez pas à m'en parler. Alors, soit vous envoyez des MP3, soit vous me dites, ben, ça existe, ça serait bien, t'essayes de voir si tu peux faire une vidéo là-dessus.
Thomas, j'ai pas toujours les mêmes idées, et puis même Pascal. Mais vous pouvez m'écrire en permanence pour tout dire, intervenir. Vous pouvez vraiment participer à votre façon pour faire que le monde des non-voyants puisse avancer en avant. Hein. Ensemble, on peut aller très loin. Voilà, c'est le but de tout ça. Simplement qu'on reste pas de côté, parce que je sais qu'il y a des amis qui n'arrivent pas à faire certaines choses et qui restent sur le bord de la route. Donc c'est quand même bien dommage. À bientôt. Je vous retrouve avec plaisir. Salut.